Moi, j'aime bien aller dans les brocantes. C'est vrai? Oui. Et t'achètes quoi? Des cartes Pokémon. Ah oui, mais ça, t'as moyen de faire Bah oui, du du business, business. bah, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans les mondes de Victor. Salut Héloïse. Salut. Je suis ravi de te recevoir. Alors, le mini-jeu qu'on va faire ensemble, c'est La réponse commence par bro. En rapport avec ton titre. Avec le titre, Hey Bro. Hey Bro, avec lequel on t'a découvert évidemment sur Europe 2. Frère en anglais. Brother. Légumes que les enfants détestent. Brocoli. C'est comme de la couture. C'est le truc de mamie. Je l'ai pas. Ça tricote, là, ça... Broderie. Marque de sèche-cheveux. Braune. Bonne réponse. Ce qu'on mangeait au goûter quand on était petit, il y avait papy devant. Tu sais, c'était des gâteaux. Mais est-ce que j'ai mangé ça, moi, déjà? Mais c'est sûr. Fait partie de la même génération. Non, je l'ai pas. Brossard. Ah bah non, j'avais pas. On la demande quand on visite une ville ou un lieu. C'est un petit papier... Une brochure. Bonne réponse. J'ai pas compté les points, mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est presque un sans faute. Ah, cool. C'est un endroit où on achète que des trucs un peu vieux. Une brocante. Il n'y a pas que des trucs vieux dans une brocante. Souvent, c'est pas de première main, quoi. Moi, j'aime bien aller dans les brocantes. C'est vrai? Oui. Et t'achètes quoi? Des cartes Pokémon. Ah oui, mais ça, t'as moyen de faire du... Bah oui, du business, hein. Bien sûr. On les connaît. De la viande qu'on fait cuire au barbecue, c'est des petits bouts de viande... Des brochettes. Bonne réponse. Des brochettes. Forêt mythique et enchantée en Bretagne où il y a Merlin. Une forêt mythique? Ouais. C'est en rapport avec le dessin animé, hein? Sûrement, il doit y avoir sûrement un... Je sais pas. En même temps, je demande, mais j'ai jamais regardé. Enfin, ah ouais, si, mais j'avais 5 ans, quoi, donc... Très peu de souvenirs de quand t'avais 5 ans. Brocéliande. Poisson qu'on pêche en rivière. Brochet. Bonne réponse. Autre nom du pichet qu'on avait à l'école. Bro. Le premier album d'Angèle s'appelait... Non, je sais pas. Non. Je l'ai pas. C'était Brown, c'est ça? Brol. Brol. Ah, ouais, Brol. Presque pas. Et voilà, perdu. Et enfin, celle-ci, elle est hyper facile. Avenue célèbre de Manhattan. Avec l'accent. Broadway. Broadway, exactement. Et toi, comment tu vas? On a des choses à se raconter. Et toi, compte pas sur moi si tu veux te faire oublier. Merci Héloïse d'être venue dans les mondes de Victor. Merci de m'avoir accueilli dans ton monde. Je rappelle, t'as ton premier album qui sort le 14 juin prochain. Oui, tout à fait, j'ai hâte. Ça y est, ouais, il est fini, il est prêt. J'ai vu que la setlist était dévoilée. Ouais. Donc il ne t'appartient déjà presque plus. Presque plus. Il y a une petite pression ou pas? Ouais, un petit peu, beaucoup même, ouais. Quand même, ouais. Parce que j'y ai mis beaucoup de cœur et j'y ai mis vraiment toute mon âme dans cet album. Je l'aime énormément et du coup, forcément, j'espère qu'il va plaire aux autres autant qu'à moi. Et alors, il y a un titre dessus qui est dédié à Thomas Pesquet. Est-ce qu'il a écouté ton titre en avant-première? Est-ce qu'il a eu le droit? Est-ce que tu lui as envoyé? Je ne lui ai pas envoyé parce que je suis plutôt joueuse et j'avais envie qu'il puisse le découvrir via les réseaux sociaux. Okay. Mais du coup, il a toujours pas découvert. Mais il va le découvrir quand peut-être, ça va sortir avec l'album. Bah oui, j'espère. Hâte de découvrir ton nouvel album et puis bah plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt Héloïse. À bientôt. Et toi, comment tu vas? On a des choses à se raconter. Et toi, compte pas sur moi si tu veux te faire oublier.